Gros petit proverbe créole, grand moun yo toujours aimé utiliser. Dit djab bonjour, la manjou, pas dit djab bonjour, la manjou. Dit djab bonjour, la manjou, pas dit djab bonjour, la manjou, pired. Que quand pour gade djab la nanje, ou dit exactement son impoutil là. Je ne j'en dis, pays d'Haïti a fait face avec une situation. Côté nous, ouais, autorité l'État, yo prend plus plaisir pour e moun ap tombe, pour e bandi ap touye moun, que yo résoudre problème insécurité, problème gang qui gagne dans moment là. Eh bien, PNH a mette de yon note, yon communiqué. Côté PNH lave mel tankou Pilate nan dossier Pasteur Makoa, nan dossier qui concernait massacre que bandi kanaran yo fait sous fidèle l'église Pasteur Makorel Zidol. Nous pral ba ou tout détail yo nan yon ti moment, puisque information qui rive joint nous fait quoi que en dedans groupe fidèle sa yo nan mitan foul moun yo te genye gros nèg ak gros am fann fwa ki te nan men yo. Dossier Kenya Haïti, information qui sorti droit direct dans siège Nations Unies dans New York fait croire que délégation pays Kenya finalement comprend ça qui a passé haïtien et décider changer stratégie. Nous pral partager information yo avec vous. Question pile haïtien pas supposé poser tête yo dans moment là, c'est qui côté corps groupe passé. Depuis après 17 juillet 2021, côté corps groupe te publié une déclaration. Côté yo te voye, j'étais bien loin. Ancien premier ministre Claude Joseph et mette Ariel Henry comme premier ministre dans tête paysan, eh bien corps groupe pas jamais réagi sous un rien qui a passé en dedans paysan. Non ça qui est pour avec insécurité gang bandi kap simaye la troublaye. Déjà là, on a bon idée de qui est qui derrière insécurité hein, tout bon. Bonjour bonsoir tout le monde, comment nous y est? M'espérez nous en forme. Jeudi c'est lundi 28 août 2023. Déjà m'a profité souhaiter nous une très bonne semaine. Restez connecté avec nous sur channel là, c'est pourquoi abonner. M'a invité ou abonner, activer petite cloche notification hein, puisque nous-mêmes, nous là pour nous informer et aider à comprendre ce qui a passé en dedans la République. Il y a pile autorité qui concerne avec problème paysan. Nous supposons poser aux questions. Nous supposons aller chercher pour nous mener au Pilate, pour nous poser aux questions et pour répondre aux questions. De manière à ce que nous cherchions véritables responsables, complices et coupables de ce qui a passé en dedans paysan. Et avant même nous rentrer en dedans information dans développement grand titio, faut me rappeler au projet et rentrer des classes jeudi en 28 août paraît en pile temps encore et pour l'école là ouvri Jean ministère éducation nationale t'a fixé date là. Donc les parents yo nous connaissons une situation difficile. L'objectif là c'est arriver aider parents yo supporter ti moun yo qui pral l'école, que ce soit acheter livre pour yo, cahier, plume, à l'autre fourniture pour accompagner yo année pour yo aller l'école. Donc ou même qui veut supporter nous ou même qui veut aider nous, n'a pas de support, n'a pas de contribution, n'a pas un coup de fil dans main pour dire mais qui gens mais comment ou voulez supporter nous dans démarche si là. Eh bien, mes amis, j'en te annoncé le commencement émission. L'important dans moment là, pour compatriotes frères et sœurs, pour nous poser quelques questions qui sont importantes. Ce n'est pas faire oui oui, ce n'est pas voyer monter, mais c'est poser vraies questions pour nous chercher réponse avec un ensemble de problèmes qui ont brassé le pays, qui ont brassé la société. Question en tant qu'haïtien conséquent, en tant que moun kap suivre actualité, kap suivre déroulement situation pays, kap suivre déroulement fè yo, pour un petit temps pour poser tête aux questions, côté corps groupe passé. Côté acteur corps groupe yo passé dans moment n'a parlé à là. Qui ça qui rive corps groupe?
Faut que moi dire ancien ambassadeur canadien en Haïti, nous dit ancien ambassadeur puisque Sébastien Carrier en un moment là, il pas ambassadeur canadien en Haïti, fin de mission, il y aller retourner back dans pays li. Donc il pas ambassadeur encore pour Canada en Haïti. Eh bien avant Sébastien Carrier t'es allé t'es quitté pays, il t'a fait connait bagay yo pas fin trop bon en dedans corps groupe. Nan moment là, les torchons brûlent au sein du corps groupe. Moun yo gen problème entre yo, yo gen problème de communication, chaque moun nan coin pa yo nan bo pa yo, ap régler afè pa yo, ap prendre des décisions, ap influencer décision politique yo en Haïti. Depuis dernière publication corps groupe te fait de manière officielle, nan date 17 juillet 2021. Kote yo te choisi, yo pap deal avec ancien premier ministre Claude Joseph. Yo pap quitte Claude Joseph. Rete dans tête pays mais plutôt choisi Ariel Henry. Eh bien nous presque pas tendez en rien de corps groupe sinon que chaque ambassadeur dans représentation diplomatique yo a pour représenter pays yo en Haïti. Mais question corps groupe là yo pas intervenu. Que ce soit pour yo dénoncer, pour yo déplorer quantité haïtien qui a perdu la vie, qui a tombé en bas bal bandi, yo pas intervenu. Pour yo râler les oreilles pour l'un yo a yo mette sous pouvoir qui c'est Ariel Henry. Quand groupe fait silence sur tout ça qui a passé en dedans pays. Alors que même quand groupe ça si n'a pas rappelé bien en 2019 après gros manifestation opposition politique là t'es fait en Haïti côté que t'es gagné haïtien t'es gagné victime dans mitan population civile là. C'est même corps groupe ça qui te couru rapide vite. Mette un communiqué de presse de yon. Kote yon te dit que yon déploré perte en vie humaine. Yon déploré quantité haïtien, quantité fraîcheur compatriote nous qui tombe, quantité dégâts qui te gagne dans la population dans quatre manifestations si là. 8 avril 2021, corps groupe sorti un communiqué. Kote yo déplorer dégradation situation pays le ça Jovenel de là avec assassinat président Jovenel Moïse en 7 juillet corps groupe sorti en note en communiqué kote yo déplorer yo condamné assassinat qui fait sous Jovenel mais ça pas suffit pour yo 17 juillet yo prend Ariel yo mette dans tête pays jout nan moment n'a parlé à là Ariel Henry lui-même li pas en mesure pour li poton réponse avec problème paysan en tant que chef CSPN yo pa jam pran aucune disposition pour yo résoudre problème sécurité a rivé rétablir la paix et sécurité en dedans paysan mais plutôt Ariel li plus campé non logique bandi ap touyen camper en face bandits, dénoncer bandits, chercher bandits, etc. M'bral montre au niveau sadique, niveau cynisme, Ariel Henry. En nous garder cette vidéo, ça, avec mon bral comprendre. Apprendre, compatriote, moi, malgré ça, je subis dans mes bandits. Priorité, tête frette, tête frette, tête frette, tête frette, tête frette, tête frette. Bon, moi, play pour vous, pour tendre, puis bien, qui c'est Ariel, l'été envie de dire. On va aller là. On va aller là, on allait. Malgré ça, je subis, m'a demandé, compatriote, moi, yo. Malgré ça, je subis dans mes bandits. Priorité, tête frette, tête frette, tête frette, tête frette. Premier ministre, Dean. Malgré tout ça, je suis bien dans mes bandits. Pour nous rete tête frette. Pour nous poser, pour nous rete tête frette. Rete tête frette. Est-ce que c'est parce que pouvoir pral résoudre problème et sécurité, pral poton réponse à gang yo? Est-ce que pouvoir gen contrôle gang yo, gen contrôle bandi yo? Ou bien gang yo bandi kap terrorise, kidnappe, touye, assassine? C'est même moun pouvoir yoye. Depuis le Ariel fin fait déclaration ça, jout nan moment n'a parlé à la, en vérité, pas rien qui résout nan problème de sécurité. Et véritablement,
Nous rete tête fred vrai. Nous rete tête fred bay bandi touye nous. Nous rete tête fred bay bandi assassiner nous, bay kidnapper nous comme si de rien n'était. Alors que pouvoir l'état nan bò pa yo, nèg yo nan bò pa yo y a réglé zafè pa yo. Samedi 26 août passé à là, nous garder massacre bandi kanaran fait sous fidèle l'église pasteur Marco. Jean bandi yo. Yo traîné moun yo. Yo bat moun yo, yo assassiné moun yo, ouvè katouche sou moun yo, bon, go dernier vidéo ki rive jwenn mwen. Malheureusement, pa ka poste vidéo a pou nivou atrocité ki nan vidéo a. Pou jan bandi yo a matirize moun yo, a torture moun yo, jusqu'à ce que yo touye yo. M'a mande, est-ce que Ariel, est-ce que LB, est-ce que Emily Prophète Milse, image sa yo, vidéo sa yo pa rive jwenn yo. En toute logique, ça qui passe Canaran, ça qui passe avec fidèle l'église pasteur Marco, c'est comme si son bagage qui était bien planifié pour montrer international là niveau insécurité à niveau action criminelle, Jean Bandi fin prend pays, il faut gagne un bagage qui fait presser presser. Parce que on pas comprendre note ça que PNH publié à travers note ça. Déjà la police française elle mettait dehors. Peut-être nèg yo mettait dans tête yo. C'est déresponsabiliser, a déresponsabiliser pour montrer c'est têtu fidèle yo, c'est têtu, c'est têtu. Et pasteur a têtu qui mené au côté yo et qui mené à drame non, yo pas gagne rien pour yo ouais, yo fait tout ça, yo te doit faire. Peut-être que c'est ça elle mettait voulait montrer dans notre là. Mais on l'autre fois, note ça li montrer niveau et compétence li montre que nèg sa yo ki nan tête pays yo pa régler on merde, yo pa ka régler on merde et yo pa gen volonté pour yo régler on merde. Wap gade avec moi note ça que PNH publié. Note au public. Le samedi 26 août 2023, une foule immense ayant à sa tête le leader religieux Marco Rezidor, composé de plusieurs centaines de ses adeptes vêtus de maillots frappés d'un logo à son nom, ainsi que des individus munis de machettes et d'autres armés de fusils d'assaut portant des uniformes vert olive, a organisé une manifestation spontanée sans avoir notifié à la police nationale. On nous fait camper là. PNH met en note dehors côté que il fait connait que samedi 26 août passé, hein, un groupe moun qui gen nan tèt li pasteur Marco Rezidor comme leader qui yo même yo te gen mayo sou yo avec logo pasteur qui te accompagné yo des individus qui gen manchette nan men yo et l'autre qui gen gros am fond froid nan men yo qui te gen uniforme vert olive sou yo yo organisé yo manifestation spontanée ça veut dire brit soukou côté que yo pat même notifié PNH ça et foule ça li te gen objectif pour la déloger bandi qui c'est membre gang Canaran que Jeff ainsi connu a dirigé. Pas Jeff ainsi connu, c'est Jeff Laos. Bon. Mais ça mien nous sérieux. Si c'est pas cynique nèg yo cynique. Si c'est pas incompétent nèg yo incompétent. Si nèg sa yo ki nan tête l'état, c'est pas exprès yo fait. Comment pral dim? Comment pral expliquer la population, pral expliquer le pays tout entier? Que te gon groupe moun qui te gagné yon leader nan tête li, qui te gon l'autre groupe moun qui accompagne yo, qui te gen manchette nan men yo, qui te gen gros am fon fwa avec uniforme sou yo, sans que yo pa notifié la police et yo décide prendre direction Canaran pour aller déloger gang. Information arrive joindre la police. La police pas choisi faire rien. Ou rive joindre un groupe moun avec zam son fwa nan men yo ki gen uniforme sou yo. Ou pas identifier moun sa yo pour konnen si c'est vrai policier, si c'est faux policier, si c'est vrai agent Bessap, si c'est faux agent Bessap, si c'est vrai militaire, si c'est faux militaire. Comme si de rien n'était, son paquet ay don ki anouye, nous dit ça passe. Ça passe, nous quitter yo aller.
pour yon prendre direction Canaran, nous pas stopper yo, nous pas camper mouvement de foule là, nous pas camper ça nous rele manifestations spontanées, nous quitter yo, continuer route yo. Eh bien PNH li même ça lié là. Son savon. Pour groupe moun avec zam nan men yo, nous pas camper pour nous poser moun yo question pour nous connait est-ce que zam yo c'est zam qui légal ou bien est-ce que c'est zam qui illégal yo ye. Nous seulement quitter moun yo faire et puis kounya nous faire figi nous du pour nous publier on note pour nous font note passer au public que mais ça qui t'est passé mais comment t'est fait c'est un groupe moun qui t'est décidé prendre la rue spontanément et que PNH t'est fait tout ça t'est capable. Nous sommes des images claires devant nous. Nous sommes gagnés des exemples clairs devant nous, situation qui a passé avec moun kafoufeu yo. Moun kafoufeu yo chaque jour bandi gang en vigno, yo empêché moun yo rete la caillou, yo. Débarquer kafoufeu, débarquer savon pistache, tirer sou moun yo, mettez du feu kay moun. La population kafoufeu la té décidé aller dédé ou almande renfort, almande concours la police. Là on té décidé aller nan base la médaïti. Ki réaction PNH an té fait? Ki ça nous té fait? Pour moun yo pa ta aller la kay papa nou Ariel Henry, ki ça nous té choisi faire? Nous té bombardé ou gaz lacrymogène. Nous te tiré bal caoutchouc sou yo, nous te bay moun yo l'eau gratté, nous rivé, nous campé en face moun yo, nous prend toute disposition juste parce que moun yo ta fait manifestation spontanée, moun yo te décidé pour yo revendiquer etc. Koun yo pral di mon groupe moun nou konnen Canaran. Canaran c'est pas père, c'est pas pasteur qui rete Canaran. Canaran c'est pas enfant de qui est Canaran. Canaran c'est bandit qui Canaran. Canaran sont groupe gang qui Canaran. Donc pour dire mon groupe moun décidé pour faire manifestation spontanée pour dire yo pral Canaran, yo pral déloger bandit, yo pral déloger gang. Alors que c'est police nationale qui sont force légale en dedans pays. Nous pas accompagné yo et à plusieurs reprises la police décide pour aller intervenir Canaran. Nous voyons comment bagay yo passé. C'est chablende des policiers, c'est chablende de la police yo prend, c'est policiers yo touye, c'est policiers yo assassiner Canaran. Un groupe moun décide yo prale Canaran. Nous croiser bras nous quitter yo aller parce que nous connaît massacre la pral ranger cause Ariel Henry. Li pral ranger cause pouvoir et puis kounye a nous seulement sorti en note pour nous déplorer ça qui passe et puis pour nous laver mais nous tant que Pilate pour nous déresponsabiliser nous comme quoi nous te prend toute disposition pour nous empêcher moun yo aller mais moun yo décider contourner périmètre de sécurité à quand même pour yo rentrer Canaran. Mais qui job la police? On quoi la police job li c'est protéger et servir population. Nan ki moment à quel stade de la durée que PNH change objectif, il change mission, sinon que Chita croise bras garder population cap victime cap tombé en bas bal bandit criminel gang a assassiné au profit de un pouvoir qui pas prendre rien qui pas prendre merde. Après drame ça qui finit rivé Canaran, si haïtien te comprendre force yo, si population haïtienne nan te ouais gens réellement autorité a passé au nan tete. Yo a joué avec sécurité chaque grain haïtien. Matin là, yo ta force LB, faut que peuple haïtien ta force LB démissionner. Faut que population ta force Ariel démissionner à tout reste gouvernement là oui. Parce que Jean Bagayel l'a pralé là. C'est dit di, nous pote tête nous bay bandi pour touye et après yo même qui dans gouvernement qui dans pouvoir, yo a seulement là pour yo constater des gars. Journée jodi an, moi-même matin m'a tande plusieurs intervenants plusieurs moun et qui te gen proche yo qui te gen proche yo qui t'a participé nan manifestation nan marche que pasteur Marco t'a fait c'est tande m tande 20 moun 30 moun 40 moun gen moun ki dou gen plus que 100 moun qui tombé gen plus que 100 moun qui victime en bas mes bandi et qui ça Jeff décide faire lui-même pour rive chercher ses parties population comme si pour faire plus passer pour mon monde li fait ti vidéo côté que la montrer la faire moun yo parler la bay moun yo manger la manger avec moun yo et même moun sa otouye a et moun sa otouye a et moun sa o massacre ou assassiné a pas que jeune femme jeune garçon sa journée jodi an la qui tombe qui victime
parce que l'État n'a pas fait travail li. Autorité l'État n'a pas assumé responsabilité. Aujourd'hui, là, nous prenons seulement faire moun sa yo qui victime qui tombe, gang canard entouré, il a passé parmi la foule. Il a passé parmi la foule. Comment nous prenons qualifier ça qui passe canard? Massacre, génocide, crime contre l'humanité, qui est-ce qui a une responsabilité aujourd'hui? Est-ce que c'est seul Pasteur Marco qui a une responsabilité? Paquet quoi des bouquets a convoqué, il a demandé pour Pasteur Marco résident venir. Et s'il pas décidé de venir de propre chef, s'il pas décidé de venir de propre gré, il a fait venir par la force. Il a pris le chercher, il a traîné devant la justice. Mais depuis hier, m'te attend moi t'ai gagne envie de rechercher, t'ai pas laguer derrière Jeff là aux yeux. M'te attend moi t'ai gagne toute disposition qui prend pour publier, pour mettre photo Jeff pour Interpol connait pour tout pas connait. Pour chercher Jeff tout côté t'a gagne intention passer. Parce que journée aujourd'hui Jeff pas gagne envie de rechercher derrière. La justice pas prend aucune disposition contre Jeff, etc. Jeff a décidé là, là, dans le pays voisin, République Dominicaine, ni rentrer, le sortir, la régler toutes affaires, lui. La régler toutes affaires. Faut que DCPJ assume responsabilité. Parce que nous pas qu'à continuer à perdre jeune femme, jeune garçon comme ça. Moun yo a tombé, moun yo a mouri inutile. Mais ça grave, là, oui. Moun yo pas mouri là. Comprenez un gros bagay qui pral changer, non? Son moun sa yo ki koule kanaran, je n'ap gade bagay la, son goup moun ki tombe en vin, oui liye. Pa gon kun disposition que l'État prend la, non? Pa gon kun disposition que Ariel Henry prend la, non? Bandi ap assassinen, bandi ap touyen, repete fret, oui. Se sa modod la teye, se sa modod la toujouye avec pouvoir en place, oui. Est-ce que nous ka continue dans logique ça? Est-ce que nous ka continue à dire parents, à dire maman, papa, petite, frère, soeur, mari, madame, prends courage, prends courage, prends courage. En tout cas, nous allons comprendre que je dis, hein, responsabilité, hein, c'est nous-mêmes en tant qu'haïtiens qui gagnons. C'est nous-mêmes qui ka changé bagaille parce que moun sa yo qui te prend disposition pour mettre Ariel sous pouvoir, yo même tout yo choisi faire silence par rapport avec ça qui a passé. Hein. C'est lui-même qui t'a dit nous que Ariel, c'est lui-même qui t'a pris le sauveur, c'est lui-même qui t'a venu changer en bagaille. Jusqu'à présent, yo youn pas prend la parole, pas qu'on communique qui sorti, pas qu'on point de presse, pas rien qui sorti. Aucune déclaration conjointe. N'a pas comprendre qui est-ce qui dé insécurité à tout bon. Et d'ailleurs, dès pour qu'on côté zam yo sorti, dès pour qu'on côté munitions yo sorti, on point qui est-ce qui a alimenté violence. C'est pas seulement pouvoir, non? C'est pas seulement pouvoir qui a consolidé gang dans le pays. Non, parce que yon pas agi. Mais l'ombre des séries de pays, tant qu'aux États-Unis, l'ombre des séries de pays, tant qu'aux Jamaïque, dans la dernière carte, ONU de s'était publié pour montrer activité crime, activité drogue, activité trafic d'armes qui a fait en dedans et qui concernait Haïti avec un paquet de pays. Qui contente de yon sorti? États-Unis, majorité yon sorti. Jamaïque, Bahamas, c'est là où sorti. C'est là où sorti. Est-ce que de manière diplomatique, il y a des dispositions qui prend? Est-ce que il y a des dispositions diplomatiques qui prend pour gérer le trafic d'armes, pour gérer le trafic de munitions, trafic stupéfiants, qui a augmenté la violence, qui a augmenté l'insécurité en dedans pays? Yon, pas quoi ça? Pas quoi ça? Entre temps, on a continué à mourir, entre temps, on a continué victime. Et bien, par rapport avec la question de sécurité, hein? Question bandit et qui a théorisé population. Nous songeons dans passage délégation pays Kenya, eh bien, te gagné une certaine controverse. Controverse dans qui sens? Parce que sa gouvernement haïtien t'attend que pays Kenya baillon, hein, c'est pas de ça, pays Kenya lui-même il était venu sous table, c'est pas de ça qui était proposé. Pendant que le gouvernement haïtien t'attend yon force multinationale qui tape gain pour mener des opérations et sous béton pour traquer bandi, pour traquer gang, etc. Et bien, pays Kenya, yo même, ça a été venu sous table avec lui comme proposition. C'était question de une force statique. Côté yo tape gain seulement, mission pour sécuriser et site gouvernemental, yo port, aéroport, etc. Et bien, la dernière information qui arrive joindre nous là, et bien, li fait quoi que
délégation pays Kenya rive changer l'idée par rapport avec situation pays. Jean bagay yo pral aller là en dedans pays. Jean moun a mouri, Jean moun a tombé, etc. Eh bien, Kenya décide de sortir dans la question force statique là pour passer à l'offensive par rapport avec la présence sous sol pays d'Haïti. Si toutefois, Conseil de sécurité des Nations Unies li bay approbation, li approuvé et résolution pour déploiement force multinationale là en dedans pays. Maintenant, par rapport avec situation ça, il y a des questions nous supposer poser. Si toutefois nous levé là au bon matin nous tendez pays Kenya effectivement Conseil de sécurité a bas approbation li a bon force multinationale qui a gagné pour déployer en Haïti. Qui rôle force multinationale là pral gagner? Est-ce que le pral vini en tant que levier ou bien est-ce que le pral vini en tant que bouclier? Ça veut dire qui ça? Nous nous situation côté que bandi occupé pays. Gagnon ça c'est légal en dedans pays parce que pouvoir l'état pas décidé faire rien contre yo. Ou tande c'est des hommes politiques qui a financé gang côté yo en pile nan yo nan pouvoir ou tande c'est secteur privé qui en relation à gang qui a financé bandi. Donc par rapport avec situation ça yo vin rend PNH impuissant. C'est pas solution PNH pa te ka pote avec problème insécurité. C'est pas solution la Medaïti pa te ka pote avec problème gang nan. Est-ce que gen volonté? Kounye a, ou trouvons nos hypothèses côté que force multinationale débarque en Haïti. Le force sa ta débarque en Haïti, maintenant c'est qui wall PNH? Est-ce que PNH li pral utilise présence force multinationale pour renforcer capacité pour craser gang pour craser bandi pour démanteler gang et arriver faire des armements ou bien PNH pral seulement contenter de présence gang de présence bandi de présence force multinationale pour montrer gang pour montrer bandi que gen yon surplus gagné étranger là si nous pas poser nous si nous pas récapituler si nous pas faire bac mais ça ka arrive nous mais ça ka passe nous parce que moi m'n'a regardé situation là gagné gros enjeu nous gagné force armée d'Haïti là nous gagné un groupe militaire qui là yo pas vraiment ba yo travail militaire soldat yo pas régler rien dans base yo yo rete là dans quartier général FADH yo pas régler rien. Kenya vini, réunion faite, discussion faite sous table par un représentant la Medaïti. Pour nous poser cette question, le force multinationale vini, est-ce que États-Unis pas pral profiter de situation pour vini avec un cause en question, yo a tout profité. Yo tenez bien oui ça au café. Pour yo ta dou, yo a tout profité démobiliser l'armée encore. Parce que toute hypothèse a yo, c'est baga ou supposé. Imaginez mette yo sous table. J'en ai yo te démobilisé l'armée déjà. Yo kadou, pour les soldats sa yo ki la, étant donné que PNH a besoin plus effectif, nous gen seulement 3300 policiers qui a bay service de sécurité publique. On nous utilise soldats yo pour nous mobiliser yo dans PNH, nous tout profiter de démobiliser l'armée. Faut qu'on considère l'hypothèse ça parce que Ariel Henry pas jamais campé pour le défendre la Medaïti. Ariel Henry pas jamais campé en face États-Unis pour le dire l'armée a mais l'armée a là soldats yo là préférez nous accompagner yo préférez nous encadrer yo pour yo servir pays yo pour yo utile pays yo. Li préférez yo voyer yo à l'école, li préférez prendre yo mettre yo non prêt tant qu'on pas quelque chose cette sale bagaille yo pas besoin. Donc bon ensemble de questions. Il y a ensemble d'hypothèses ou supposées considérées. Je dis en là, PNH li faible parce que yo affaibli la police. Le la police en 94, yo te mette le campé. La police li tap travail, policier yo tap bay résultat. Et si jounen jodi an nèg yo choisi volontairement, yo multiplié gang, yo multiplié bandi en dedans pays, yo renforce capacité gang yo en dedans pays, c'est volontaire.
Et si on fait de manière volontaire, il faut qu'on volonté, je ne veux dire, qui réel, qui réel, qui visible, qui parle pas par bon côté. PNH, pas bon côté état-major la police, pour yon dit, yon pral mener opération, yon pral mener mission, kote gang, kote bandi. Et d'autant, par une justice, en dedans pays ça, qui arrive, mette menon pat kasav, quel te pi gros oligarque qui gen en dedans pays, quel te pi gros businessman qui gen en dedans pays, quel te ancien président, ancien premier ministre, qui connaît. Yo finance gang, yo finance bandi, yo ap supporte gang, mare yo traîne yo kote pou yo traîne yo, et voye yo nan pénitencier national pou yo al pran sot pisse. Mbon garanti Ayiti pa jam fè yon pa kita an panago. Nap toujou rete nan menm sécurité, nan menm cycle de violence. Parce que bandi sa yo, qui senti yo puissant pour touye moun, pour massacrer moun, pour violer femme aktifi, yo fè c'est parce que yo konnen. Yo gen brade e banan yo. Et moun sa yo ki se brade e banan bandi yo. Yo konnen tèt yo. Et en pile nèg ki nan pouvoir, jounen jodi an, youn kon lot. Youn kon ki eskap bay gang lot. Et gang zam. Youn kon lot ki a founi bandi yo zam, ka founi bandi yo munisyon. Youn kon lot. Que ce soit là ou te nan opposition sou Jovenel, que ce soit pendant yo nan pouvoir la, que ce soit dans le secteur privé, à youn kon lot. Donc, youn kon lot, youn fè secret pour lot. Entre temps, nèg yo passé matière dans figi, nou yo passé salami dans figi, nou fè nou comprendre que nan intérêt nou, yo vle stabilité en dedans pays. Li tellement visible que son nouvel ordre oui qui est en Haïti. Son nouvel ordre, même je nous te dit après 86, nous finissons avec le régime dictatorial, nous entraînons en démocratie et bamboche démocratie et démocratique. Nous avons bamboche en démocratie qui représente un bamboche journée aujourd'hui. C'est même gens. Journée aujourd'hui, là, nous face avec un nouvel ordre en Haïti. Est-ce que nous avons l'ordre de la gangsterisation? Est-ce que nous avons l'ordre criminel? Pas qu'on est qui nous n'a pas c'est un nouvel ordre. Et nouvel ordre, ça. Li représente bandi légal yo. Bandi légal yo, m'a l'explique. Comment fait? Nous di gen sécurité non pays, gen violence non pays, bandi ap touye nou non pays, chaque jour n'ap dénoncé pratique sa yo. Et puis gon groupe neg ak fam nan secteur privé. Yo pa jam pran aucune position kote sa ka passe ya, parce que yo même c'est l'argent y a fait. C'est l'argent ka rentre dans business yo. C'est profit y a fait. C'est bénéfice y a fait. Insécurité a pa di yon rien. Entreprise yo placé dans fief gang yo, dans fief bandi yo, y a fonctionné comme si de rien n'était. Malheureux pa ka vivre, moun yo pa ka rete la kayo, moun yo a couru pour bandi à gauche à droite. Yo nan insécurité. C'est nous-mêmes qui avons victime insécurité. C'est nous-mêmes insécurité à toucher. Pendant insécurité à toucher, nous, y a kidnappé nous, y a violé nous, y a tout pisé nous, y a fait contrôler avec des marchandises n'a pas acheté, y a extorqué nous. Yo même nèg ça yo, y a enrichi quoi yo. Donc nouvel ordre ça qui basé sur gangsterisation, qui basé sur bandi légal, li profite à ba un groupe moun, li range cause un groupe moun. Journée jodi an, véritablement si DCPJ vle chèche moun ki deye yon paquet activité criminelle en dedans pays, c'est comment se suivre l'argent que yon paquet nèg a brassé en dedans pays? C'est comment se suivre l'argent bénéfice yon paquet entreprise a fait en dedans pays? Malheureux nan pa gen l'argent, li pa gen kòb, si kayli te gen yon gang te gen tan fè l vann ni pou l paye 2-3 kidnapping, li pa gen vrai. Et pourtant gon groupe moun ki tellement brassé l'argent dedans pays, hein? Gon groupe moun ki tellement fait bénéfice en dedans pays, on pose des questions. Est-ce que insécurité, hein, c'est pour seul groupe moun sa yo li bon? C'est pour seul groupe moun sa yo li favorable? Et puis kounye ou pral di, nou pa konn ki est ki dey insécurité, hein? Nou pa konn ki est ki dey gang, nou pa konn ki est ki dey bandi yo. Jeff Canaram de tandel li te gagné yon voice li te lagué côté que li tap justifier
zak criminel li fè sou population. Et ça fait moi-même pas j'aime prendre plaisir dans passé et voice dans passé message vagabond ça. Nèg la fin assassiné un paquet moun et puis il chita le croisé pied la parle paquet tintin dans figi moun. L'a expliqué un paquet rad d'autres transtain dans figi moun, l'a justifié za criminel li fè a. Tenez. L'a justifié moun li touye yo sak fèl touye yo. L'a justifié moun sa yo innocent sa yo massacre yo sak fèl massacre yo. Et pour je non paquet moun qui a partagé pour. Bon dou ki sa vérité yo. Bon question élection dans pays an ki toujours bay problème par rapport avec gang par rapport avec bandi. Tout politicien veut contrôler quartier, veut contrôler circonscription, veut contrôler zone pour les élections. Mais là Jeff Canard parle, il t'a parlé d'un certain Bobanel. Si vraiment la justice voulait faire lumière, voulait enquêter sur ça qui passe Canard, il y a des salles de monde faut reler. Non seulement ou reler pasteur Marco commissaire gouvernement, Bobanel ça faut reler Bobanel là pour t'a poser quelques questions. Faut pas poser diverses catégories l'autre monde que des séries de monde fidèle pasteur ma côté dit pasteur ma côté al parler avec un inspecteur faut qu'ou t'arrête l'inspecteur ça pour poser le question pour connait qui motif qui ça te motive yo parce que journée jodi an là nous pas ka continuer accepter que moun perdu la vie et puis nous croiser bras nous n'a regardé comme si de rien n'était n'a constaté des gars et pas jamais gen coupable. M'a besoin mande commissaire pour l'inviter Jeff Canaro. Li pa vini. Criminel sa ou bandi sa ou se al chèche au côté ou dans fief yo. M'a même mande arrêter yo parce que prison a cassé, prison n'est pas de drame ka passé nèg sa yo tourner sou moun encore, yo maron encore. Gros travail pour PNH, fè gen des série de bandi l'ont pran yo, pa une question arrestation pour bandi sa yo. Yo ap jwenn un politicien, yo ap jwenn un nèg nan secteur privé pral dou yo son papa la gen petit Dieu et cetera et cetera. Gen des série de moun, gen des série de moun pou peyi aller de l'avant, c'est effacer pour effacer moun sa yo de la surface de la terre. Malheureusement, il faut le dire. Il faut le dire. Journée jodi an gen des questions qui supposé poser pour nous joindre qui est qui responsable véritablement. Là, la police de responsabiliser l nous connaissons PNH responsable. Emily Prophète ministre était gata passé l'autre direct depuis hier dimanche bonheur dans matin. Direction générale ministère justice sécurité publique la tête en bas c'est l'autre formel qui a passé à commissaire gouvernement pour qui raison faut qu'il relé pasteur Marco traîner pasteur Marco. Est-ce que c'est seul tête pasteur Marco qui doit couper qui ca couper dans question ça il y a l'autre monde qui doit tomber. Gen l'autre monde qui doit tomber, gen l'autre monde qui doit répondre question la justice. Et m'bral dou, oui, faut que y ait justice qui fait, qui baille. Mais c'est même l'État hypocrite, c'est même autorité hypocrite, ça, oui. Après population, après moun canapé vers moun début, si te fin baye bo akale, te kore, ki tap dou, pa ket policier décide, yo akopaye population, cherche bandi baye bo akale, oui. Ouais! Si tout bagay te passe bien pour pasteur Marco. Mbon garanti PNH te quand même décidé à médaille pasteur Marco oui comme un héros comme un moun qui te décidé mener bataille contre bandi contre gang. Mais c'est ça. C'est nous chita croiser bras nous qui te paye en fini non mais nous qui te paye en rive non stade critique comme ça nous permettre à ce que population accepte situation qui pire là. Joune jodi on a dit on moun pral mener la chercher bandi canara avec une manchette pour moun zal pa wè l'autre bagaille pour le faire pour le dou wil pralé. Faut qu'il t'a dit non. C'est parce que moun yo a bout, moun yo fatigué à insécurité, fatigué avec question gang non. Et finalement on dit on pralé Jean fait bi fait, yo pralé. Et finalement nous wè ça qui t'est passé, nous wè comment drame non et il était fini. Bon, là moi même pense véritablement, c'est bon moment. C'est bon moment pour politiciens qui dit yo remen peyi yo, politiciens qui dit yo vle on lot Haiti yo. Moun sa yo qui toujours bataille, qui toujours paré et pour prendre peyi an. Sénateur nou yo, député nou yo, ça te toujours dit yo remen peyi an. C'est bon moment pour yo ta regrouper yo. C'est bon moment pour au moins yo tout ta fè yon seul pour montrer peuple haïtien yo uni voix yo, uni force yo pour yo camper en face à Ariel Henry.
pour yon camper en face pouvoir ça qui là, pour yon camper en face tribulation pouvoir l'état ça fait peuple haïtien monter là, parce que ça va passer en dedans la république là, li quitter senti du derrière, li quitter extrême derrière. Sans nous pas rendre nous compte n'a victime de crime contre l'humanité, sans nous pas rendre nous compte n'a victime chaque jour de massacre, n'a victime chaque jour de diverses catégories crimes, tout malheur, tout fléau, c'est sous nous y a tombé, c'est sous nous y a privé. Mais qui est-ce qui a parlé pour nous? Nations Unies là, chaque monde n'en boit pas eux après que les affaires par eux. Chaque agence internationale yo nan bon pa yo après les pa yo za fait pa yo. Conseil sécurité Nations Unies là nèg yo c'est confrontation politique, confrontation diplomatique yo a réglé. La Russie, la Chine en face États-Unis, la France, c'est kon yo a troqué, c'est force yo a troqué. C'est pas en question Haïti yo, ouais, c'est pas en question intérêt Haïti yo veut préserver vrai. Baga la pa de jambe ça vrai. Ni pa de jambe ça. Si nous voulons faire un bagaille pour payer, c'est maintenant ou jamais. Si nous voulons faire un bagaille pour payer, c'est kounya ou bien nous baille vague sous ça. Parce que ça qui a passé là, ça qui a passé là, nous les gens nous banaliser la vie moun. Peut-être ou capable rendre nous compte de ça. Non moment là, Haïti c'est un centre en lié. Il y a un paquet de médias étrangers qui commencent à écrire article. Miami Herald commence à écrire article. New York Times, CNN, un paquet de médias étrangers commence à écrire article sous massacre qui passe, sous drame qui fait là. Nous même peut-être il paraît difficile pour nous dire exactement qui quantité haïtien qui tombé, qui quantité fidèle bandi raché, bandi boulé, bandi lagué à terre avec balle. Même bon garanti. Je garantis là tout contact que pral fait avec Fondation J'éclairé, RNDDH, pral gen enquête qui pral fait, etc. Yo pral bon idée, yo pral bon idée de quantité moun yo même yo pral dou tombe 200, 300, yo pral dou ki quantité, yo pral bon bilan. Est-ce que Ariel a continué à faire manger li? Parce que c'est bandi légal nèg yo ye. Bandi légal. Nous même n'ap kouri pour bandi. M'ap gade jan ancien président Michel Martelly même, c'est fait, c'est rire, c'est le rire. De série de moun kap dou, oh Martelly fini kon crayon, figi Martelly ale, Martelly. Mwen map gade Martelly, se plaisir, se bon bosh nèg yo ap pran. Sa kap pase an dedan peyi a pa an ti not, pa an yen, parce que yo konnen yo participe nan mete peyi an la. En tout cas, nèg yo pa kè, se plaisir yo ap pran, reprann ap enjoy yo san kanpe. Ben, an nou te vote yo. An nou te vote yo, nou menm nap kouri pou bandi, bandi ap touye nou. Ken jere problème nous même yo même y a jere problème pa yo et gon date qui est incontournable là n'attend c'est 15 septembre k'ap gen pou vini là puisque 15 septembre et Nations Unies était promettre pays en te promettre haïtien que yo pral gen pou yo sorti liste moun yo pral sanctionner qui gen relation avec gang bandi qui pa ka voyager et qui pa ka voyager non pa ket pays nous pral tande pour nous qui est si à pied est-ce que y a gen ancien président ou bien est-ce que c'est mascarade j'a fait non nous comprendre donc faut que nous veiller date yo faut que nous veiller et actualité yo décision qui a prend qui concerne Haïti. M'ap kite yo avec Clarence Renoir, coordonnateur et parti politique Unir Haïti, qui lui-même et qui depuis semaine passée hein, li indexé directement mini justice Emily Prophète Messier côté le mandé madame nan pour démissionner. C'est livre qu'on écrit, c'est poème qu'on écrit, madame a écrit poème et petit poème yo kon bien intéressant, continue à faire travail écrivain, mais quitter tête ministère de la justice, quitter tête CSPN, non, c'est extrêmement important. Eh bien, on entendait qui ça Clarence Renoir gagne comme message pour nous jeudi. De ce matin, Clarence Renoir est notre invité ce matin. Alors, faut nous dire, Clarence, Haïti pas dans la guerre. Récemment, on a rapporté souti qui fait état de monde qui mourit en Ukraine, qui est inférieur à la quantité de monde qui mourit en Haïti en une année. C'est peut-être une raison qui fait que nous n'avons pas décidé de passer les images que nous avons voyées de ce qui s'est passé.
En plus du fait que l'image ça a révélé choquant, il est capable aussi traumatisant dans le pays côté qui est responsable. Et ces gens qui vivent là-dedans, ce n'est pas des animaux sauvages qui vivent là-dedans, même si parfois nous comportons nous comme des bêtes sauvages. C'est la raison ça auditeur qui comprend. Un pays, oui, on dit merci à Zambien qui dit des bêtes féroces. Et c'est le cas. Lorsque vous étudiez le droit, vous dites qu'il y a une nécessité pour droit, pour gagner un état de droit, c'est pour enlever la caïne, toute velléité pour nous fonctionner tant que des bêtes, tant que dans la jungle. Voilà. Mais, je dis en là, un peu de monde capable de poser cette question, qui côté nous y est? Qui ça nous y est? Mais, à côté de qui ça nous y est, qui côté nous y est, on a envie d'introduire notre question, si vous permettez, pour Wendell. Même si nous sommes dans l'État, dans la fonctionnalité de l'État pour faire le marché, donc à vie dans le gouvernement, ça m'a fait là. C'est une question que vous me posez. Nous sommes soulignés d'aller là que même dans l'hypocrisie la plus caractérisée de l'État, entre guillemets, des politiques, entre guillemets, il y a qu'on dit ça. Mais un drame comme ça qui arrive pour le monde qui est responsable chef pays, pas fait aucune déclaration. Alors que le Premier ministre était prompt à intervenir au Koun pour dire que depuis que l'on a venu là, Paris, pour me bailler abri, pour me bailler manger à tout le monde. Mais sur Carrefour-Feuille, aucune déclaration. Sous ça passe Kana, aucune déclaration. Pourvu que je sois au pouvoir et que je reste au pouvoir, je m'en fous des autres. Je regrette de dire ça. Parce que je ne suis pas du genre à, tu vois, insister sur ce type de bagage. Ça, mais je ne suis pas capable d'expliquer. Et personne n'est pas capable d'expliquer, pas capable d'expliquer. Pour qui ça, Premier ministre, mais mon tweet l'a fait. Pour dire drame ça a touché. Pour qui ça, par contre, deuil national qui décrété là, devant drame ça, qui arrive là. Donc, il y a beaucoup de questions à se poser. Comment il déclare que c'était une quantité de monde qui mourait? Écoute, Wendell, c'est des chiffres que nous ne pouvons pas avancer parce que nous ne pouvons pas vérifier. Mais pour des mouns qui ont presque une centaine, pour des mouns qui ont plus qu'une centaine. D'après le Zoom, Wendell, pareil ça, le privé dans la société, et que par une réaction de gagner, qui ça le provoqué? Ça l'a regardé dans le pays d'Haïti depuis quelques années. Moi-même, moi songé, m'a transporté ti moun l'école le matin. Un cadavre dans la rue, il y a des moun nan katia qui vont dra sou li. Parce que on ne laisse pas un mort comme ça au vu de tout le monde. Li choqué moun. Je dis à Wendell, moun a mouri, moun a mangé côté moun a mouri, moun a jambi moun qui mouri de mort violente. Puis elle fait ça ou bien puis au fait. Je dis à des bandits à mettre du feu dans la des mouns qui semblent avec eux, qui ont les mêmes conditions humaines avec eux, même conditions sociales avec eux. Pas de mouns qui réagit. Pas de aucune action punitive réelle qui fait. Je dis à la mort ne veut plus rien dire en Haïti. Parce que mouns dit la mort, bon, j'attends mon tour peut-être. Mon tour viendra quand même. Donc autant continuer à vivre le petit temps qu'on me laisse. Ça rappelait ma mémoire dans un tweet révélateur qu'on a été fait. Il paraît ni compte que le dit ça qu'il va arriver, c'est Éric Jean-Baptiste. Regarde, Éric Jean-Baptiste mourit. Qui est-ce qui j'aime repenser à Éric Jean-Baptiste? Où est l'État? Bon, enquête, bon bagage qui dit rien. Éric Jean-Baptiste avait écrit avant sa mort, l'espérance de vie en Haïti est de 24 heures renouvelée. C'est-à-dire que ou on fait vivre 24 heures ça, ou par contre soit vivre 24 heures prochain, etc. Maintenant, qui ça nous est dans le pays? Et ça, pour moi, c'est ma préoccupation, c'est les enfants. Ah, juste avant, Clarence, les profonds paroles ça, de Éric Jean-Baptiste, m'a regardé le week-end dernier, un groupe de jeunes garçons qui peut être capable, dans la vingtaine, maximum, c'est avant 25-26 ans, gagner pour moi-même qui est encore teenager, qui avait conseillé de gros âmes dans mes yeux, Nazon. Oui. Il a tué, il a brûlé, il a mis du feu, il a brûlé. Et puis. C'est ça le modèle aujourd'hui. C'est ça le modèle. Son petit garçon qui est à peu près 11 ans peut-être, avec un Kalachnikov, moi il est le Kalachnikov, par contre, ça lié, son âme manche longue, il est aux âmes de guerre. Il dit moi je suis, moi, Iso, c'est Iso mieux.
C'est ça le modèle qu'on nous montre aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Donc, si vous n'avez et ça, d'après dit, on a super bien dit ça. On a le plus loin, Clarence. Ils disent qu'ils ont un cadeau pour lui. Mais certainement, je sais pas. Il y a Henri Détonnant là-dedans, hein, si vous voulez. Moi, je dis à dit ça. Parce que je pense que c'est bon pour nous dire. Pour moi-même, si pas une action qui est faite, mais profonde, sociale, un nettoyage dans la société, là, je dis nettoyage, là, je vais parler de. On lavage dans le sens positif, pas dans le sens négatif, sanglant et choses. Mais pour retirer tout le bagage qui pas bon dans la société, si les gens qui ont 10-11 ans qui sont dans la bidonville, qui sont dans la rue, il n'y a pas encore plus cruel que ça qui a agi là aujourd'hui. Il y a plus cruel. Parce que ils ont levé, ils ont habitué à ça, ils ont attendu ça, ils ont commencé à porter des âmes dans le bonheur, encore adolescent. Donc, imaginons quel degré de cruauté qu'ils ont habitué avec lui. Sans compter, ça me dit le traumatisme qui crée la qualité de Mounsayo pour vivre dans une société côté, c'est ça qui attendait tout le temps qu'il a tiré, balle qui a chanté dans les oreilles, monde qui a mouru devant yo, monde qui a kidnappé devant yo. Donc, nous avons une société qui a grandi avec une sorte d'atrophie quelque part. C'est-à-dire qu'on va arriver dans 20 ans, on va devenir ici au moins intelligent en nombre, on va devenir plus cruel en nombre, on va devenir au moins sensible en nombre, on va devenir plus égoïste et plus, etc. Plus irresponsable aussi d'ailleurs. Parce que le modèle qu'a devant nous là, qu'a présenté devant la société, a son spectre grimaçant, effrayant, dont société qu'a endurci dans le mal et qui n'a aucune thérapie de guérison qui permette pour la dire, bon, je saute côté Miala, bon, aller on l'autre côté. Nous pas fait ça, nous pas préparé. L'Afrique du Sud t'es fait vérité, justice. C'est-à-dire, les criminels te disent, oui, mais tu fais crime, je me répands de ça, pardonnez-moi si c'est possible, ou bien la justice punime pour ça me fait qui pas bon. Nous-mêmes, nous pas fait rien. Au côté de société, de 1986, pour me prendre période historique, ça, à Jodia, il y a endurci dans le mal, dans la violence, dans la corruption, dans la criminalité. Wendell, je terminerai sur ça. Avant de me prendre question là. Ma bagay politique, son regard politique rapidement m'a fait. Lorsque vous avez des prétendants à des fonctions d'État, électifs, des postes électifs, qui pour faire campagne, ils enfreignent la loi pendant que la police dit qu'ils cherchent des bandits, ou même ils affichent sur les réseaux sociaux avec bandits à faire campagne, ça crivait à la folle d'arriver. J'ai en mémoire des scènes de campagne que moi, côté des candidats, à afficher la main sur le cœur avec des bandits, ou bien bras dessus, bras dessous, si vous voulez le comme ça, ou bien maintenant coup, à embrasser avec des bandits, des mouns illégales que l'État dit l'a cherché, qui était ton tiré sans quoi qu'on dit, m'a cherché mouns ça, eh bien, ces hommes, futurs hommes d'État, ont affiché sur les réseaux sociaux en public avec mouns ça. Donc, je ne suis pas étonné. Donc, ça arrive à là, c'est normal pour arriver. Alors, on dit, toi qui dis moins que. Nous ne sommes pas des bêtes. Il y a des criminels qui se comportent comme des bêtes à notre égard, nos autres paisibles citoyens. Oui, c'est vrai, vous avez bien dit. Mais on nous considère comme des bêtes, parce que j'ai tué Mounio-là, c'est plus que... C'est comme des oiseaux. Oui, c'est abattu. Parce qu'aujourd'hui, dans certains pays, qui est interdit. Oui. On limite la chasse. Oui. Parce que justement, ces espèces de nature-là, on détruit. Oui. Mais donc, les gens nous prennent pour des bêtes, madame ou bien monsieur, qui dit ça. C'est pas oui, que nous mais sommes bêtes. Je ne pas croire que, vu la gravité de la situation, je regrette pour me dire tout que Clarence, ou pas d'accord. Est-ce que nous avons le temps pour nous faire sémantique par rapport à la gravité de la situation ça? Nous pas des bêtes, c'est certain, c'est évident. Mais nous sommes capables de dire, nous traitons pour des bêtes. Absolument. Nous comportons. Oui, il y a comporté. Nous tous, Clarence. Bien sûr. Parce qu'il y a un pile de haïtiens qui suivent nous là, qui croient dans les valeurs, qui croient, qui ont une sensibilité, qui croient dans le monde, qui ont l'amour du prochain. Ça, c'est présent. Mais en garder sa capacité, globalement, je dis à la, en Haïti, je dis déjà, je dis qu'il y a plus de monde qui mourit en Haïti. Oui, c'est plus de 2000 civils oui. Qui mourit en Haïti. Et... Même pendant un an, hein, dans la période que tu as fait étude là, plus que la guerre en Ukraine. C'est plus qu'un état de guerre que nous y est là, effectivement, parce que son état de massacre. Parce que la guerre, il faut deux armées, il faut deux groupes. Aujourd'hui,
Il n'y a pas de groupe armé qui s'affronte en Haïti. Il y a une population civile. Il y a des loups et des agneaux. Il y a une population civile qui, tout simplement, a fait au massacre, tout côté, quel que soit quartier côté lié. Hein. Il y a des gens qu'on kidnappe comme si Ndagado son fait papier ramassé dans la gare avec lui ou prend lui. Et puis, au Kembe, regardez ce qui est arrivé à Pierre-Louis Aupont. 2 mois de séquestration. Plus de 2 mois de séquestration. C'est-à-dire, l'État n'était même pas capable d'aller le libérer. C'est peut-être bon. Regardez ce que un bandit a fait hier sur les réseaux sociaux. Il filme les gens qu'il prend en otage. Il dit ouais, c'est bon, on va tuer, non? Voyez-nous aller. On va le battre comme camionnette pour nous retourner la caille. Donc c'est ça, puis c'est promouvoir là qu'on y a là. C'est-à-dire qu'il y a un travail à faire. Comme si bandit lui a posé des actions. C'est humanité la caille. Il y a une certaine humanité que l'autorité ne nous a pas montré. On va aller dire tout. Hein? Pour l'en parler même. Pour l'en c'est autorité. Yo. C'est ça, un bandit, il dit. Mais il y a raison. Hein. Il y a raison. Un bandit n'est pas fait pour exister. Un bandit est fait pour être derrière les barreaux ou bien dans le langage de la police guérillante, il est mortellement blessé. C'est ça, ils ont la loi. Depuis qu'on freine la loi, on va être capriveau quand même. Nous parlons, Clarence, de situation de drame samedi. Drame samedi qui renversait tout le monde. M'a posé peut-être une question, par exemple. Alors, il faut me dire que hier dimanche, l'expérience personnelle que me fait, c'est que c'est une rare fois, Clarence, que je recevoir autant d'appels de l'étranger. Pour qui ça? Parce que quelqu'un qui a dit que, ah, on check que sur Wendel, les journalistes, ils allaient voir le est-ce que c'est vrai, ça, Abdi? Ok. Est-ce qu'il t'a couvri? Est-ce qu'il n'a pas couvri? Événement. Deuxièmement, tout ça, Abdi, est-ce que ce n'est pas fable que oui? Est-ce que ce n'est pas des histoires inventées? Est-ce que c'est vrai? Le monde qui a regardé ça, qui a passé dans le pays, qui gens y a pu juger Haïti? Qui j'ai jugé moun qui pas gain problème avec l'autre et que y a tué. Bon, maintenant, il est évidemment moun yo a annoncé que on va déloger bandi, j'en saute dit là, on calcule une réflexion rationnelle pas faite pour moun yo connait que ou pas capable avec Bible là seulement, on parle sur nèg qui gain manche longue dans même. Ça ne ferait aucun sens que ça fait. Maintenant, on quitte même les états côté de théocratie, on va faire comme ça. Oui. Les États religieux, super États musulmans, l'Iran, etc. Il y a l'armée, il y a l'armée, c'est pas, Clarence, c'est pas avec la Bible, ni le Coran, ni... Oui, mais Mounsao la cause, il y a provoqué la mort, oui, mais il y a mouru tout. Oui, bien sûr. Il y a d'accord, opération kamikaze, il fait des actes. Sacrifice suprême. Bon, est-ce que son bail est comme ça que le pasteur a fait hier? Il n'en était pas conscient. Il n'en était pas conscient, en tout cas. Maintenant, on quitte Canaan pour faire un petit coup de pied là, puis près nous là, Clarence, Carrefour-Feuille. Ça qui a passé Carrefour-Feuille là. Bon, pile monde, tant que la semaine dernière, il était annoncé un cyclone. On seulement imaginer que le cyclone ça a été passé en Haïti. Dégâts t'as fait sur le monde qui est en bas, abri provisoire. C'est des tentes côté Bayo. Bandit a chassé mon yo presque chaque jour. Yo di que gen yon dizaine ki mouri week-end dernier, mais moi sur les réseaux sociaux, gen moun kap di, ok, gen yon dizaine ki mouri, mais monte kadavre. Ce qui veut dire que moun yo pa kwe nan la police, pa kwe nan anyen. Ou pa gen zan moun ki rete Carrefour-Feuille, Clarence? Oh, c'est pas... Yo pa expliko l'enfer que yap vive Carrefour-Feuille, bandi kap koride yo, de temps en temps moun kap kite kayo, moun ki yap tue tout. C'est pas zanmi seulement, Wendel, c'est fami. C'est des collaborateurs que me gagne qui Carrefour-Feuille et sous prendre son plan politique si vous voulez me dire ça c'est des partisans c'est des militants de unir me connaît Carrefour-Feuille. Ça que tu as fait pour Mounsao? Mais chaque monde n'a pas agi dans soit capable de faire personnellement parce que moi me dis au bagage chaque pose aujourd'hui comme problème Carrefour-Feuille que monde va imaginer c'est que les familles qui encore dans des endroits et m'bral bayon fait qui passait là sans pas citer nos monde pour monde comprendre gravité question et qu'est-ce monde tout monde est touché. Les familles sont aujourd'hui surchargées. Donc, ça, dans une zone qui n'est pas touchée, c'est les gens qui viennent à la caillou, qui viennent augmenter sur ça où tu gagné. C'est-à-dire dans l'espace où tu es promiscuité, problème de santé pour le poser, forcément. Parce qu'il y a un paquet de gens qui va y côté priorité. Deuxièmement, c'est les gens qui sont dans les abris que vous déclarez abris, mais qui n'est pas abris parce que pas fait pour ça. Les écoles, le gymnasium, les places publiques, ce n'est pas des côtés où tu es préparé vraiment comme abri. C'est tout simplement les gens qui envahissent l'espace ça. Et yo
dégager et puis vivre là-dedans. Wendell, il est toujours bon de mettre un visage sur le drame pour faire nous comprendre. Là, je vais parler d'un professeur de l'école que je connais. Je ne vais même pas parler de Zambim Jonas, Brice qui était Carrefour-Feuille, qui est membre uni, membre fondateur d'un parti politique. Je vais parler de préférence d'un professeur de l'école, une dame, professeur d'école, Wendell Théodore, qui, en l'espace de quelques mois, obligé de passer de quartier en quartier pour le chercher au minimum de sécurité de vie avec sa fille. C'est une femme, professeur d'école. Et donc, qualité de langage, la parler, où est son professeur d'école, vraiment. À disons qu'on a enseigné, qui a une grammaire, qui a un vocabulaire, qui a une accentuation, une prononciation, et qui a raconté un drame, ni Wendell. Il n'a pas écouté pour le rester encore. Il était arrêté la plaine, il courait quitter la plaine dans le Carrefour-Feuille. Il arrivait Carrefour-Feuille, il courait d'elle, il allait, il ballon hébergement au côté dans Debussy. Il quittait Debussy, je dis, on y allait dans la rue parce que Mounio a quitté Debussy qu'on y allait, je dis, là. Tout ce pas comme ça, mais tout ça. Moun qui Debussy a quitté Debussy parce que nouvelle qui vient de jouer, c'est que Bandi va arriver dans la zone ça aussi. Donc, cette femme s'est retrouvée à la rue, professeur d'école, l'école va l'ouvrir bientôt. Petite li a li confié dans le foyer. Une petite fille que le gagne, il va traîner dans la rue avec lui. Et la voilà, seule, il va prendre côté pour aller, Wendell. Il dit, il va chercher une chambre pour louer pour le rester. Mais combien de jours, il va rester dans la chambre, en dit une chambre d'hôtel, une maison de passe. Il est dans la rue. Et ça, c'est un cas. Moi, je dis pour comprendre ce qui a passé. Ce n'est pas une plaisanterie qui vient là. Son drame certain et sérieux qui a privé dans le pays, qui nécessite que l'État, si je dis qu'il existait toujours, que lui manifeste la présence. Ce n'est pas le cyclone pour le Premier ministre vient paraître pour dire ah, en prévision de cyclone, non, je vais faire ça. Parce que tout simplement, vraiment des aides internationales, etc. Mais là, un drame national qui a passé, nous n'avons pas quitté. Jeunes filles, jeunes garçons, maman petite, les personnes âgées, appenant tribulation, ça peut vivre là, ça que nous pas intervenu en leur faveur. Pas pour dernier point avec Ouklaren, ça va que nous finissons le Kenya. Le Kenya. Réaction. Vous connaissez des. Dans un premier temps, il dit que Kenya a dit que il parle protéger site gouvernemental yo et autres. Mais aux dernières nouvelles, nous apprenons que il semble t'a dit que yo paré pour yo participer dans opération offensive même si vous voulez pour démanteler gang yo ou quoi dans ça ou même Clarence Sonoa bon, ça fait le jeu du Kenya pour lui faire augmenter en chair yo pour que li ka joine ça le besoin tout mais conseil de sécurité à nommer fournisseur de moun qui va le financer et opération ça tout et mais Wendell m'a même dit ça moi voyager en Afrique en pile moi me dit ça pour des raisons peut-être que vous ne connaissez pas, mais je dis, madame, moi, son fonctionnaire des Nations Unies que lié, il fait un pile séjour de travail en Afrique. Il travaille pour le gouvernement, non? Il travaille pour les Nations Unies. Mm-hmm. Comme haïtienne, il travaille pour les Nations Unies. Il fait un pile séjour en Afrique et ça m'a l'occasion pour me visiter l'Afrique. Et j'étais au Kenya récemment, Wendell. Mm-hmm. Donc, Kenya a des problèmes, parle. Et les gens qui mettent des informations sur les réseaux sociaux, ils ont raison. Kenya a des difficultés par là, Kenya a des problèmes par là, mais son pays a marché quand même. La capitale là, Nairobi, son grande capitale, presque on va dire à l'occidental. Les grandes gratte-ciel, etc. Il y a une vie, il y a une économie qui bouge, etc. Mais Kenya, il y a des côtés là-dedans. Si je bande des yeux, je dépose là-dedans, les m'ouvre les yeux. Si je mets un avion, on va dire, mais qui est-ce que tu es en Haïti? Parce que c'est Haïti. Dans le mœurs, dans la physionomie, dans pratique, c'est vraiment Haïti. Je me suis retrouvé là comme haïtien, mais dit, mais Haïti, c'est aussi Kenya, donc, parce que c'est l'Afrique en général. Mm-hmm. Et maintenant, venons-en à la mission. Et là, je ne parle pas uniquement dans Clarence ou bien Unir, si je suis capable de me chapeau sapoter, mais d'aller aller plus large. Donc, groupe de partis politiques qui n'ont collectif de partis qui produit des réflexions sur questions qui gagnent dans le pays là, en général, que ce soit sur politique là, spécifiquement, avec. On demande clair de mettre un bicéphalisme sous pouvoir pour équilibrer le pouvoir, pour une meilleure gestion de l'État, mais qui réfléchit sur la question sécurité. Parce que sécurité, elle est liée avec la gouvernance quelque part, et un aspect technique là-dedans. Donc, nous produisons des documents que nous voyons à la communauté internationale là-tout, et qui sont disponibles pour n'importe qui. Ouais.
réflexion. Réflexion, c'est quoi, en résumé? C'est que oui, jodi a nous besoin d'aide communauté internationale, là, appui communauté internationale. Là. Moi, t'as dit jodi lundi 28 août, là, plus que samedi ou bien vendredi, 25 qui sont passés, pour qui ça? Parce que le drame qui sont passés là, pas qu'à quitter mon insensible, vous dit, je ne veux aucune force internationale vienne dans le pays, là, mais c'est contre vous-même. Vous allez accepter. Parce que ce n'est pas intéressant de voir des bottes étrangères patrouiller dans les rues de ton pays. Parce que vous avez aimé ces bottes nationales là au Cap Fell. Ou t'as remis, c'est binette des mounes qu'on connaît, qu'on a adressé. Si vous perdez nos chemins, si vous policier vous demandez le retour, si vous policier haïtien vous demandez le retour. Si vous avez un problème de sécurité, on a poursuivi, il faut parler avec un monde qui comprend nous sur le coup. Ben, là, le jeu, il faut s'accouper. On va faire la fine bouche. Si vous dites, vous voyez Kenyan, Baou, Jamaïcain, Bahamien, etc. Bon, venez sauver le peuple là. Si vous êtes capable de faire. Merci beaucoup. Cependant, bon, mais. Nous pas capable accepter que vous voyez des forces internationales encore venir dans le pays sans que l'État haïtien, la société, disons la société de préférence que l'État, parce que l'État s'en fout, pas poser des conditions. Et c'est ça nous dit dans le texte que collectif là, 30 janvier, dit. Il dit, un, il faut qu'il y ait des investissements qui fait dans les forces de sécurité nationale, que ce soit la police ou bien l'armée. Et nous prenons en référence ça qui est passé avec MINUSTA pendant 15 ans que tu fais là, pratiquement, le lalé, tout le bagaille. Craser, stabilité que tu as gagné, hein? Sécurité que tu as gagné en apparence, là, eh bien, l'effondré lorsque la MINUSTA s'en est allée. Donc, fois ça, si n'a pas accepté, nous besoin, oui, une force internationale venue, mais il faut nous poser des conditions pour que force à venir, l'armée capable prendre le relais, la police capable de prendre le relais pour sécuriser, pour faire travailler. Parce qu'on ne peut pas accepter qu'on vienne dépenser 400 millions ou bien 200 millions de dollars par année pour uniquement des forces internationales. Et puis, aller au Calalé, il y a levé et homme et équipement, il y a avec lui, il y a quitté là, dans la nudité, dans le dénuement que oui, ou gagne là. Donc, on va pas demander rien pour tête nous. Comme politicien, parce qu'en général, non. C'est politicien qui, c'est politicien qui crase la main, c'est politicien qui mette gang, qui mette gang, c'est politicien qui crée, en fait, qui fait la police avec l'État, ça l'est à Clarence. Oui, mais moi, ma façon là, c'est moi qui parle là-bas. Oui. Clarence n'a pas créé gang, Clarence n'a pas gagné groupe armé, Clarence n'a pas. Clarence pas capable pour l'autre. Mais bien certain qui parle pour eux. Parce que nous côtoyons, on ne va pas le citer non plus. Là, c'est pas ça n'a fait. Mais de toutes les manières. Je pense que nous sommes en période de construction, de réflexion. Et l'État parle à l'heure. Non, Clarence, c'est vous-même qui dit que ça veut dire qu'on croit que nous sommes encore en période de construction, mais ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas, ouais, c'est pas ce qu'on voit, Clarence. Oui, tu as raison. Là, je pense que son pays qui a détruit oui, chaque jour plus. Oui. Parce que vous dites, dans le commencement, ça nous vivons là samedi, hein, nous n'avons pas de mémoire que nous vivons ça, génération pas non, même dans l'histoire. Non. Oui, mais tu sais, même dans la destruction, il faut penser à la reconstruction. Si ça fait nos produits, texte que nous produisons, ils ne peuvent pas peut-être tenir compte de eux-mêmes. Mais il faut que nous pensions, pendant un moment dramatique que nous avons vu là, qui côté nous va le sortir et le sortir qui ça nous va le faire. Poser des conditions et c'est ça, texte. Non, mais nous avons réflexe tout, Clarence. Nous avons réflexe. Marron, côté le sortir. En craser, l'en fin craser, n'a construit. Oui, ça, c'est pas philosophie, pas moi-même. Clarence, merci. Merci, Anpil. Wendell, m'a profité, si vous voulez, fin émission, le point pour me présenter. Sympathie. Ba moun ki victime yo, ba fami yo, ki nan douleur, ki nan souffrance jodi a la. Ba tout nation ki dwe an deuil. Quelque part, nou gon cousin, nou gon frère, nou gon lien de sang par rapport à moun sa yo ki victime nan la. Et pas moun, pi moun pense que yo trop haut placé dans société a, que pa gen rien pou avec ça qui passé là. Comme quoi en termes de position économique et sociale, vous dites ça n'a pas intéressé. Non, on est tous concernés par ça qui a passé dans le pays. Là. Nous avons besoin de tout le monde dans le pays à faire thérapie, ça. Puis on parle avec tête. Puis on regarde dans la zone d'influence côté au Guéant. Est-ce qu'on agit suffisamment pour faire Haïti pas arriver côté rivière là et pas arriver plus bas demain? Donc, bon côté PAM, c'est la parole que j'ai. C'est l'opportunité que j'ai pour me parler là, pour me dire, touché par ça qui arrive là. Et nous devons prendre disposition, Wendell. Pour ça pas arriver encore dans le pays là, et le plus vite possible. Le plus vite possible, nous devons prendre disposition pour ça pas arriver encore. Mes amis, attendez ça. Ou c'est haïtien, ou remet pays, ou et bien on agit. Mon éditorial. Entre désespoir, de machination politique et les non-dits, mon éditorial vous dit tout. Émission Mon Éditorial, c'est espace analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui a dominé le pays d'Haïti. Mon Éditorial, sorti
vendredi depuis fait 2 heures que chez Chanel Paul là pour qu'elle bien informé avec Yannick. Mon éditorial. Nous bral la balle épée, nous bral fait des balles, c'est toujours même Yannick là, même voix. Oh yeah.